Bonne chance. J'aurais pas besoin de chance. C'est eux qui ont besoin de chance. Notre mission aujourd'hui, c'est d'aller récupérer des documents top secrets dans un château et c'est possible qu'il y ait un homme du nom de Moiler. On dirait des zombies comment ils marchent. C'est un boucher qui a tué et fait énormément de mal à plusieurs personnes. Ce qui fait que nous, on va faire nos expériences sur les différents ennemis qu'on va croiser. Mais s'il est là, eh ben il va prendre cher aussi. Les expériences vont commencer parce qu'on peut tuer... Oh, des petites colombes, c'est si... C'est si mignon, les colombes. Attendez, parce que les voitures, c'est rigolo, les voitures. Sauf si elles s'est barrées. Eh, regardez-moi cette balle, si je suis pas un professionnel. Même son pote Dédé à côté, il comprend pas ce qui s'est passé. Bon, ça se trouve, il va garder la pose, il va même pas bouger. La voiture, elle va se barrer. Et personne n'aura rien grillé. Ah, si, je crois qu'ils m'ont grillé. Ah, Dédé est plus vivace que ce que je croyais. Et il se bat, et il laisse leur pauvre pote qui est mort. Oh, il a marqué son nom, il s'appelait Robert. Ah, j'étais pas loin, quoi. Dédé, Robert, c'est... Non, c'est pas pareil, ok. Une balle dans le zizi. Non, c'était pas trop là, le zizi. En même temps, comment voulez-vous que je sache où est un zizi? Ah non, il est mal barré, le mec. Désolé, mon pote, je vais t'achever. Maintenant! Non, c'était pas trop là. Bon, vous voyez ce que je vois ou pas? Eh, je suis obligé de le faire. Oh non, il s'est barré. Mec. Il s'envole, il s'envole, il s'en... Vol. Et ce qui est trop cool, c'est que les projectiles, quand vous lancez une grenade, vous voyez les projectiles qui s'envolent et qui défoncent tous les autres mecs qui sont aux alentours. Il n'y a pas d'autres trucs qui pètent. Oh, ça, c'est mignon. Bon, il y avait personne à côté. Et normalement, faut jouer discrètement, des fois. C'est pas mal. Il s'est pris une balle dans les fesses, mais ça n'a pas suffi. Voilà le château avec... Il y a un mec qui m'a repéré là-bas. Le château est dans la direction là-bas. Mais je vais vous montrer une technique que j'ai appris lors de mes voyages dans différents... Oh ! Dans différents pays. Ça s'appelle courir... Coup de poing ! Voilà. Et ça, ça l'assomme. Là, il n'est pas mort. Mais par contre, moi, je vais mourir. Je vais essayer de voir ce que ça fait. Le slalom. Le slalom. Et là, je le bute. Il a perdu sa mâchoire, le pauvre. Vous pensez que je suis assez discret ou pas ? Je vais me laisser mourir. Enfin, on va lui laisser une chance de me tuer plutôt. Je vais slalomer et faire le slalom. Ah bah non. Voilà, je vais manger le mur. Bonne chance ! J'ai pas besoin de chance. Je prends ma mine. On a vu par où était passée la voiture. Attention, screamer. Voilà, les petits oiseaux. On va se dépêcher de mettre la mine. Et on va regarder la voiture péter. Elle est en train d'arriver. J'aurai jamais le temps. En plus, j'ai plus... Non ! Vous pensez que je suis grillé ? Je la mets là et je me casse. Vite ! Je pense qu'ils m'ont pas vu. Je vais voir si je peux y... Vraiment, si je cours à fond... Je pouvais pas aller plus vite. Ouais, non, j'aurais jamais le temps d'y arriver. Bon, c'est pas grave, j'ai un autre plan. Là, vite! Faut qu'elle pète. Je les ai eus ou pas? Je crois que j'en ai tué quelques-uns, mais ils ne savent pas où je suis. Regardez, il est en train de me chercher. Ce qui fait que j'ai tué les deux mecs à l'arrière. Il reste... Oh, je vais crever les pneus. Mais non, mais je suis caché dans les mimos... Non, c'est pas des mimosas, je sais plus comment... Toujours pas dessus. Comment il revient? Il a perdu son chapeau. J'ai failli mourir. Je suis caché. Comment ça s'appelle? Ça sent bon, ça. C'est un truc... ça sent bon. Vous pensez que si un mec passe, il va se poser des questions ou pas? Ah, c'est une autre voiture. Eh, c'est peut-être ma chance de enfin poser ma mine quelque part. Non, les mecs. Non. Oh, et comment j'ai fait? Oh, j'ai roulé. Je me sauve. Vous me rattraperez pas. Jamais vous me rattraperez. Oh non, je suis bloqué par une branche. On va faire les choses bien. Ouais, mais en même temps, il y a des explosifs à côté. Bien sûr que moi, j'ai envie de le faire péter. Le comment il s'appelle? Le Rainer. Moi, j'ai envie de faire péter le Rainer. C'est plus fort que moi. Et je dois faire quoi, en fait, là, déjà? Attendez, parce que moi, je vais là, mais je sais pas. Une patrouille allemande garde le point de traversée de la rivière. Et on s'en fout, non? M'en fout. Ça, c'est ma mine. Ça va péter un moment ou un autre. Vous voyez ce que je vois? Eh, vous êtes sérieux? Il sait pas que je suis là. Il sait pas que la mort arrive. Oh, très jolie salopette, monsieur, je dois dire. Mais vous êtes combien là-dedans? C'est une usine de chauve ou quoi là-dedans? Il devrait rester deux personnes ici. Toi. Enfin, maintenant t'es plus là. Et toi là-bas. J'arrive, mon gars, j'arrive. Et là maintenant... Je vais vous montrer... Non, je veux pas le fouiller, je m'en fous de le fouiller. Je vais vous montrer mon super plan. On va faire des expériences et je vais surtout vous montrer comment on fait disparaître des preuves rapidement. Comme ça,
personne ne pourra remonter jusqu'à moi. J'ai vu ça dans un film, ça devait être Toy Story, je crois, ou un truc dans le genre. Voilà, là vous êtes parfait. Bougez pas les mecs. Attention. Pourquoi ça a pas pété? Pourquoi ça pète pas là? Je dois dire que je m'attendais quand même à un beaucoup mieux même. Je sais pas quoi faire, ils sont trop nombreux, j'ai aucune chance de survie. Bon, juste pour ce passage, je vais devoir la jouer très discrètement parce que j'ai pas le choix. Ça c'est discret. La discrétion, ça me connaît, je suis super discret. Vous êtes sérieux? Oh oh. Ça va ou quoi? La forme? Attends, je recharge, bouge pas. 2 secondes. Ah mais il m'a pas attendu. Là je suis en train de le distraire, il sait plus où je suis. Akhenaton est perdu. Moi je suis frustré, faut que je fasse un truc là, ça va pas le faire. Voilà, mets-toi là. Je suis venu là, mon plan c'était d'utiliser la tourelle. Nous avons un mec qui est perdu dans une autre dimension. C'est le moment de lui faire une balle. Oula, il y a plein de gens là-bas. D'après mes cours de SVT, ça devrait être quelque part par là. Il est peut-être... Oula. Il est peut-être terrorisé, le pauvre. Je vais lui amener un de ses potes. Tiens, je t'amène ton pote. Ah, ça lui a fait mal. Mais non. Tu veux danser pour moi? Danse. Je me dis qu'au bout d'un moment, il y a forcément une balle qui va le toucher, non? Ou pas. Ah, moi, j'en ai plus. Comment il court? Il est constipé, ce gars. Maintenant. Mais non, mais j'arriverai à... Je veux détruire des testicules. Oh, le pauvre. On va l'achever parce qu'il me fait vraiment de la peine. Et là, il va passer une bonne nuit. C'est quoi? Il y a des trucs, on dirait des... Non, c'est trop dégoûtant pour que j'explique ce que j'imaginais. 5 €, je le touche. Bon, vous m'enverrez votre PayPal. Écrasez-le à l'aide de l'un des lustres du château. Si je fais ça... On est d'accord que le truc, il tombe là? Je vais vous impressionner. Pourquoi j'essaye d'impressionner des gens? Je sais très bien que ça va jamais marcher. On va faire un truc, ça s'appelle le chargement automatique. Voilà. Hop. Oh, le pauvre, ils m'ont remis pile poil sur lui. Bon, bah, on recommence, c'est reparti. Et là, il va faire un gros dodo. Là, je suis du bon côté. Normalement, je devrais y arriver easy. Je vais le faire. Il est où? Non, ah. Je crois que j'ai enfin réussi à détruire, c'est parti. Oh, le pauvre. Lui, il aura pris des balles partout. Bon bah, on se retrouve dans 2-3 minutes mec, ok? Wouh! Ils s'envolent, ils sont morts. C'était là, hein. Voilà. Va chercher le truc, là. Attendez, je l'ai même pas vu se prendre le truc. Mais non... Bonjour, belle journée! Encore. Oh non, mais c'est une boucherie. Ah, j'en ai plus, on s'en fout. Donne-moi mon arme. Je vais me servir de lui comme bouclier humain. Si on me tire dessus, il me sera très utile. Ça s'appelle, de nos jours, on appelle ça un gilet pare-balles. Mais à l'époque, on appelait ça... Attendez, je vais vous dire comment on appelait ça. Adolphe. Voilà, il s'appelle Adolphe. Mais pour des raisons bien connues, eh ben, ils ont préféré appeler ça gilet pare-balles plutôt qu'Adolphe. C'est l'histoire d'Adolphe qui adorait faire du tracteur. Voilà. Et là, il est en train de jouer le mécanicien, il répare le tracteur. Oh, vous êtes pas prêts? Yop. On va croiser les doigts pour pas qu'il retombe sur moi. Oh oh. Ça a marché ou pas? On va se mettre une petite mélodie. C'est la mélodie de la mort. Avec cette musique, je me sens tout émoustillé de partout dans mon body. Ce qui signifie que c'est l'heure de tuer. Tuer. Quoi? Il y a un autre mec là-bas? Salut nounou! Et voilà. Il m'a pas vu. Peut-être parce qu'il a pas de cheveux. Oups. Peut-être qu'il va me voir maintenant. La technique du ricochet. Du ricochet. Oui. J'espère que c'était pas un Airbnb le château. Parce qu'ils vont pas récupérer leur caution, croyez-moi. Un labyrinthe, le machin, il y a tellement de pièces. Eh, bonjour. Je cherche... Ah bah il va plus très bien parler maintenant. Je cherche ma cible. Elle devrait être quelque part dans le coin. Vous ne l'auriez pas vu, s'il vous plaît? Ah,
Je crois qu'ils veulent récupérer leurs potes. Attendez, je vous l'envoie. Tiens. Voilà. C'est donnant, donnant. C'est une prise de... C'est toi ou moi, mon gars. Toi ou moi. Je préfère que ça soit toi. Arrosoir automatique. Getting them to the J'adore quand il meurt en spray. Objectif terminé. Mais attends mec, j'ai fini mon objectif là, et laisse-moi faire au moins la musique de victoire. C'était lui le mec que je devais buter, mais il avait pas de chapeau. Comment tu t'appelles, officier? Friedrich Kumler. Mais je pensais en avoir buté plein depuis... Oh, faut y aller. Faut y aller. Pa, 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 pa. Là, le schtroumpf là, là. Hello? Je risque de manquer de balles. Parce que là, j'en ai à peu près une centaine. Sachant qu'ils sont au moins 300. Oh! Alors, d'après... Oh oh. Lui, il était pas censé rentrer là. Il regarde. Une grenade! Arrête avec cette alarme. On joue pas avec les alarmes. C'est mauvais pour la santé. Piou! Piou! À l'époque, ils faisaient des murs avec des sacs de sable. Moi, je vais faire des murs avec des sacs de cadavres. J'espère juste que je vais pouvoir sortir après quand même de la pièce. Parce que si je fais un mur pour... Oh, j'adore. Ils ont rappelé des renforts comme s'ils étaient pas assez depuis tout à l'heure. Je suis un coton-tige aujourd'hui. C'est exactement à l'endroit où il fallait... Qui c'est qui me tire dessus? C'est là qu'il fallait que j'aille. Non, il y a des petits pics. Ils m'ont pris pour un pigeon ou quoi? Je peux tomber là? J'ai flippé, ma mène. Je suis rentré où, là? Je suis dans le bureau de Moiler. Il y a un système d'ouverture caché secret. Enfin, caché secret, ça veut dire la même chose. Non, c'est juste une statue qui était pas droite. En gros, je suis en train de vérifier s'il y a des ampoules et tout, quoi. C'est un vieux prétexte pour que je tords tout et que je casse tout dans la baraque, je suis sûr. Voilà, faut le dire plus vite, moi j'ai une arme. Je vais vraiment devoir bouger tout ce qui a bougé. J'ai bougé un livre de PlayStation 1, là. Oh. False wall panel. Sneaky bastard. Petit cachotier. Vous trouvez pas que ça pue? Je vais ouvrir. Ça sent une odeur de mort. Faut vraiment ouvrir toutes les fenêtres. Ah ouais, ce tableau il est super connu, avec le chat, c'est inestimable. J'ai ajouté ma patte. On peut dire que j'ai rajouté mon style artistique. T'as une bouteille sur le visage? Merci pour la bouteille, je l'avais pas vu. Nous voilà enfin arrivés au dernier étage. Vais-je trouver des choses importantes? Vais-je trouver le Père Noël? Non, le Père Noël ne peut pas passer par là. J'essaye ou pas? Vas-y, j'essaye. Wouh! Oh, 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 jackpot, mon pote! Je crois qu'il m'a grillé. Hein, je suis pas vraiment dessus. Oh, il a mal au ventre. Il te faut ton petit espace fond, mon pote. Tiens, injection directe. Dans le biceps, il pensait être caché. Mais non, rien ne peut se dissimuler. Pour mes yeux de phénix. Non, d'aigle. Enfin, mes yeux, quoi. Mine de proximité silencieuse et non mortelle. Mais c'est trop nul. Non, pas dans mon zizi. Si! Faut pas montrer tes fesses. Sinon... Nouveau trou du cul. J'ai le droit de dire ça sur YouTube, moi. Oh, j'ai eu casse-noisette. Effectuer un tir dans les testicules. Mais attendez, j'ai vraiment eu un succès pour avoir éclaté des testicules. Ça me sert à rien. Ok. Je vais taper dans l'œil. Ça marche comment? Je le piège avec une grenade, je le jette, et peut-être que ça va faire péter des gens. Yup. Ah ouais, ça marche plutôt bien. Yeah! Oh, je m'y attendais pas à celle-là. Voilà, on l'aura eu enfin notre mine. Amazing! J'arrive enfin à la fin de cette mission. Nous y sommes presque. Nous y sommes. Nous y sommes. Nous y sommes presque. On arrive. Ouh. Je sais pas pourquoi ils nous avaient souhaité bonne chance. J'en avais pas besoin. Ça va les mecs? Personne n'a vu que j'étais passé. Voilà, maintenant je me casse. Si vous voulez d'autres vidéos où je fais encore des expériences, n'hésitez pas
à mettre un j'aime et me le dire en commentaire. Et normalement, d'ici quelques jours, il y aura une autre aventure d'un homme qui cherchait son hot dog. Je ne peux pas vous en dire plus, mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Salut.